Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Merci de nous rejoindre. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 14 novembre 2011. Indignation et démission, voilà les attaques lancées à Jean-Noël Guérini aujourd'hui. Eugène Caselli et Jean-Claude Gaudin ont vivement réagi à sa menace de geler les financements du Conseil général dans deux grands projets marseillais. Marine Le Pen à Marseille, elle est l'invitée des dîners littéraires ce soir au Don Corleone. L'occasion de la faire réagir sur l'actualité locale. Son interview dans ce journal. Et puis enfin, nous irons à la découverte de ce studio de films d'animation en 3D. Il est basé à Marseille, mais rayonne au-delà des frontières, puisqu'il produit des dessins animés pour toute l'Europe. On aurait pu penser qu'il se serait fait discret. Eh bien non, bien au contraire, Jean-Noël Guérini ne cesse de faire parler de lui. Vendredi dernier, dans un courrier adressé à Eugène Caselli, le président du Conseil général menaçait de geler les financements pour deux projets phares de la ville. La piétonnisation du Vieux-Port et l'extension du tramway. Une attaque directe contre Eugène Caselli et peut-être une erreur politique qui en tout cas aujourd'hui lui vaut une violente contre-offensive. Stéphane Burgat. L'indignation est partout, Madrid, Wall Street et maintenant Marseille. Dans un courrier rendu public ce lundi matin, Eugène Caselli appelle les conseillers généraux socialistes à s'indigner contre Jean-Noël Guérini. Ses menaces d'annuler des financements de projets ont mis le feu aux poudres. Ah, il ne peut pas prendre une décision personnelle et unilatérale, bien entendu. S'il y a une délibération de l'Assemblée qui va dans le même sens que ce qu'il a écrit, ça se terminerait bien entendu devant les tribunaux. Guérini a-t-il franchi le Rubicon ? Pour l'instant, aucune voix ne s'est levée pour le défendre, au grand bonheur du maire de Marseille. En fait, M. Guérini se livre à une vendetta vis-à-vis de ses anciens amis socialistes. Cependant, bien entendu, ce sont les Marseillaises et les Marseillais qui vont faire les frais de cette nouvelle attitude. Alors il est clair que sur le plan politique, M. Guérini a franchi la ligne jaune. Et pourtant, surprise, l'après-midi même, Guérini calme le jeu à sa façon. Tous les trois ans, M. Godet fait son petit caca nerveux. Le Conseil général tiendra ses engagements. Ce qui nous a interpellés, c'est que le 21 octobre, la communauté urbaine change d'objectif dans le cadre d'un vote de rapport. À savoir le terminus du tramway, non pas à Lumini, mais à la Capelette, Jean-Noël Guérini appelle donc Jean-Claude Gaudin et Eugène Caselli à venir renégocier avec le Conseil général. Voilà, Marseille vit donc un épisode orageux au sein du Parti socialiste local, mais fait aussi débat au niveau national, en politique, mais aussi sur bien d'autres thèmes comme l'insécurité. De passage à Marseille, Marine Le Pen a réagi sur l'actualité locale. Marine Le Pen, bonjour, merci d'être sur notre plateau. Vous devez être certainement au courant, on en parle un petit peu partout au niveau national. Marseille vit un épisode orageux au sein du Parti Socialiste. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire Guérini. Le maire de Marseille a demandé aujourd'hui sa démission du parti du Conseil Général. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Cela fait évidemment des mois et des mois que le Parti Socialiste aurait dû se démarquer de M. Guérini. Et ils ont conservé des liens très forts avec lui tant que M. Guérini pouvait leur servir. Et je trouve qu'il est bien tardif, elle est bien tardive cette demande de démission. Je pense que le Parti Socialiste ne s'est pas grandi dans cette affaire et dans ce laxisme qui a été exprimé à l'égard de M. Guérini. Martine Aubry ne s'est pas encore prononcée. Oui, mais c'est incroyable. Enfin, écoutez, moi je ne sais pas. Moi, je suis dirigeant d'un parti politique. Quand quelqu'un est mis en cause dans ces conditions, y compris d'ailleurs à l'issue de l'enquête interne qui avait été faite par le Parti Socialiste, il aurait dû immédiatement être sanctionné. M. Guérini est encore membre du Parti Socialiste. Eh bien, le Parti Socialiste porte, somme toute, une part de responsabilité morale. Il y a un élu FN aussi qui a été mis en examen et qui a eu un an de prison ferme. Oui, mais moi, en général... Jean-Marc Maurice. Oui, mais eh bien, il a quitté le groupe.
Oui, oui, tout à fait. Moi, alors là, je peux vous dire qu'avec ça, il n'y a même pas de discussion deux minutes. À partir du moment où les élus ne se tiennent pas correctement, ça peut arriver à tout le monde, mais à partir du moment où ils ne se tiennent pas correctement, ils doivent être évidemment immédiatement sanctionnés, ne serait-ce que parce qu'ils sont les représentants des Français. Mais je vois que ça se fait au Front National, mais ça ne se fait pas au Parti Socialiste. Alors justement, le Front National fait de gros scores ici en région PACA et à Marseille. Quels sont selon vous les facteurs qui pourraient favoriser une progression encore plus grande ici? Mais qu'est-ce qui a changé depuis 25 ans? Qu'est-ce qui a changé à Marseille? Est-ce qu'il y a moins d'insécurité? Non, il y en a plus. Est-ce qu'il y a moins d'immigration? Non, il y en a plus. Est-ce qu'il y a moins de corruption? Les chiffres sont à la baisse pourtant. Non, il y en a plus. Il y a plus de tout, il y a plus de pauvreté, il y a plus de précarité, il y a plus de baisse du pouvoir d'achat. Par conséquent, il est tout de même légitime que les Français, à un moment donné, jugent leurs dirigeants politiques, qu'ils soient d'ailleurs au niveau des collectivités territoriales ou au niveau national, et choisissent une autre voie, un autre projet que celui qui a amené notre pays et la ville d'ailleurs au bord. Vos thèmes, notamment Marseille a été le terrain de jeu politique avec les thèmes de l'insécurité, de l'immigration. Vous trouvez que l'UMP reprend vos thèmes? Ça me paraît évident. L'UMP essaye de tenir le même discours que nous. Il n'y a qu'un malheur, c'est que ce sont eux qui sont aux manettes. Et par conséquent, on pourrait attendre d'eux quand même des résultats. Or, il n'y a pas de résultats. La réalité, c'est qu'ici comme ailleurs, les seuls qui ont à craindre de l'État, ce sont les braves gens. Les voyous, qu'ils soient d'en haut comme M. Guérini ou qu'ils soient d'en bas, eux n'ont strictement rien à craindre. Alors, notre thème qui fait débat ici à Marseille avec le FN local, par exemple, c'est la grande mosquée. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, je suis contre. Pourtant, votre père qui siège au conseil régional nous avait dit à l'époque qu'il était pour une grande mosquée à Marseille. Moi, je suis contre les mosquées cathédrales. Voilà, je suis pour les mosquées. Je trouve que chacun a le droit de vivre librement sa religion, mais en respectant la loi de 1905, c'est-à-dire sans venir réclamer son financement par un biais ou par un autre à l'État. Et je suis pour des mosquées qui soient des mosquées, invisibles. Non, pas invisibles, mais qui se fondent effectivement dans le paysage. Qu'est-ce que ça d'extraordinaire. Je trouve que la volonté à tout prix d'avoir des mosquées cathédrales est une manifestation plus politique, m'apparaît-il, que religieuse. Donc vous avez un petit peu le même avis que votre père, mais qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui de votre père ? Oh, écoutez, qu'est-ce qui vous différencie vous-même de votre père ? Vous êtes médiatiquement correct ? Mais c'est pas le problème. Le problème, c'est que je suis une femme. J'ai 43 ans. Il en a 83. Il est un homme. Nous n'avons pas le même parcours. Nous n'avons pas vécu les mêmes choses. Nous n'avons pas, par définition, les mêmes références. Non, mais aujourd'hui, voilà. Le FN semble moins tabou. On a l'impression que soutenir Marine Le Pen, c'est plus facilement avouable que soutenir Jean-Marie Le Pen. Mais parce qu'il a été beaucoup diabolisé, Jean-Marie Le Pen, et que, vous savez ce qu'on dit, médisez, il en restera toujours quelque chose. Bon, eh bien, c'était là ce dont il est victime. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de... Vous avez fait moins dérapages médiatiques. Non, mais c'est pas ça. C'est que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français se rendent compte que tout ce qu'a dit le Front National est en train de se dérouler de manière extrêmement précise. Et vous savez, quand on choisit son médecin, on essaie quand même de choisir celui qui fait le bon diagnostic. C'est quand même celui qui a le plus de chances de vous soigner que celui qui se trompe de diagnostic. Le PS et l'UMP se sont trompés de diagnostic. Ils n'ont aucune solution. Mais écoutez, il est temps que les Français s'en rendent compte. En 2014, rapidement, le Front National à Marseille, quel candidat? Maître Collard? Mais vous êtes déjà en 2014. Mais oui, on voit. Avant, déjà, LCM, vous voyez effectivement loin, parce qu'il y a déjà des présidentielles. Il y a des législatives. Et donc, moi, je vais d'abord m'attacher à ces deux grandes élections pour l'avenir de notre pays. On parle de votre nièce, notamment à Carpentras. On parle de beaucoup de choses. Mais n'écoutez pas ce qui est écrit dans les journaux. Vous démentez. Mais pour l'instant, la commission d'investiture n'a pas été saisie d'aucune demande d'investiture dans cette circonscription. Voilà. D'accord. Mais écoutez, le débat continue en tous les cas. C'est ce soir. Vous êtes l'invité d'Alfred Moreau au Don Corleone tout à l'heure. Merci beaucoup, Marine Le Pen. Merci à vous. Voilà une interview enregistrée dans nos locaux un peu plus tôt cet après-midi. L'actualité, c'est aussi la colère chez les exploitants agricoles. Ils voient rouge, c'est le cas de le dire. L'application en France d'une directive européenne interdit depuis le 1er novembre l'utilisation de fioul rouge, autrement dit le fioul domestique, comme carburant pour les tracteurs, ce qui représente un coût supplémentaire pour les agriculteurs. Explication Stéphane Burgat.
Ce tracteur carbure au rouge, comme pratiquement tous les exploitants agricoles. Jacques Poulet utilise du fioul domestique comme carburant. Mais depuis le 1er novembre, une directive européenne l'interdit par souci écologique. Il faut dorénavant utiliser un gasoil non routier, plus cher et jugé moins stable. Mais ce qui pose surtout problème à ce maraîcher, c'est que les deux carburants sont incompatibles. Là, vous avez un tracteur qui a 10 ans, donc il ne correspond absolument pas aux normes actuelles. Donc pour me mettre en compte, pour pouvoir utiliser ce gasoil non routier, je prends ce tracteur, je fais venir une entreprise qui me nettoie le réservoir, qui nettoie l'ensemble du circuit pour éventuellement enlever les petites impuretés qui vont rester. Vidanger les tracteurs, mais aussi vider et nettoyer les cuves, voire même en racheter de nouvelles, si elles ne sont pas aux normes pour stocker ce carburant. Des frais que ce producteur de la région de Cavaillon chiffre à 4000 euros, une somme qu'il ne peut et ne veut pas prendre en charge. Les autorités françaises et européennes sont pointées du doigt, mais ces dernières apportent un certain nombre de bémols à ces protestations. Normes permettront, par exemple, d'avoir une réduction des émissions à effet de serre, une amélioration des qualités des carburants et surtout des gains en termes de santé publique. Les bénéfices environnementaux et pour la santé publique sont plus grands que les petits coûts qui étaient estimés. Ce changement de carburant, s'il n'est pas respecté, est passible d'une amende pour fraude fiscale. Pour les exploitants agricoles qui s'estiment déjà fragilisés, cette punition serait de trop. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Pollux est un petit peu marseillais. Le film d'animation a son studio à Marseille, dans le 11e arrondissement. Action Synthèse, c'est son nom, réalise et produit des longs métrages et des séries télé d'animation en 3D à destination de toute l'Europe. Visite avec Marguerite Coque. Voyons, Pollux, il doit y avoir un moyen d'esquiver cette corvée. Avant d'en arriver là, il faut des années de travail. Le dessin animé de Synthèse, ça commence par un dessin. Oubliez le papier et le crayon, Florent préfère la tablette numérique pour inventer ses personnages. En fait, c'est le double syndrome de la page blanche, si vous voulez. Vous avez le côté scénario avec la page blanche, il va falloir raconter une histoire, vous ne savez pas par quoi vous allez commencer. Et ensuite, il y a l'étape du dessin, dire qu'est-ce qu'on va donner comme forme, qu'est-ce qu'on va donner comme couleur, qu'est-ce qu'on va donner comme ambiance à cette histoire, d'un point de vue visuel. Les personnages sont ensuite modelés avant de passer à l'animation à raison de 7 secondes par jour. Un travail technique et minutieux, sans oublier de donner de la profondeur aux personnages. Donc Max, on sait que c'est quelqu'un par exemple qui est assez fier, un peu kéké, il se la joue comme ça quand il marche dans la rue. Donc quand on va le faire marcher, on ne va pas se contenter de le faire marcher. On va chercher le rythme d'une marche un petit peu kéké, on va mimer comme ça comment on doit marcher quand on se la joue un petit peu. Action Synthèse est installée à Marseille depuis 1998, mais pour les studios d'animation, le modèle reste toujours les États-Unis. Pourquoi Marseille? Si on regarde là où produisent les studios américains, les grands studios comme Pixar ou DreamWorks, ils sont tous localisés en Californie. Donc ils ont quand même choisi une région où il y a une qualité de vie, où il y a une douceur de vivre, parce que dans ces métiers-là, il est toujours important de pouvoir recruter des gens de partout dans le monde et d'avoir une région attrayante pour qu'ils se localisent. Marseille est dans ce cas de figure. Dans les prochains mois, une série animée Made in Marseille sera diffusée en Norvège. Le studio travaille également à une adaptation du Magicien d'Oz, le tout en 3 dimensions. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain sur LCM.